Il y a des médicaments dangereux pour le développement du fœtus, et il y en a beaucoup, alors attention. Si avant la grossesse on prend déjà un traitement régulièrement, on fait le point pour savoir si on peut le continuer, le modifier, ou s'il faut l'arrêter. Mais attention aux médicaments en vente libre. On va prendre un exemple, les anti-inflammatoires. Ils sont utiles en cas de sciatique ou de tendinite, et on peut les acheter sans ordonnance. Mais pendant la grossesse, ils sont dangereux. Ça, c'est le symbole qu'on retrouve sur les boîtes de médicaments à ne surtout pas prendre pendant la grossesse. Et ça, c'est le symbole qui dit « on peut les prendre s'ils sont prescrits ». Donc attention parce qu'ils se ressemblent beaucoup. En cas de doute, on va regarder sur le site du CRAT qui référence les médicaments et leurs effets connus pendant la grossesse. C'est très utile pour les professionnels et c'est indépendant de l'industrie pharmaceutique. En cas de douleur, il y a toujours le paracétamol que vous pouvez prendre sans risque. Paracétamol ou Dafalgan, Doliprane et Feralgan, tout ça c'est la même chose. Le premier c'est le nom international, le reste c'est des noms de marque.